Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Madgen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça c'est pas très bien français, pour une nouvelle vidéo, donc c'est l'unboxing du Galaxy S8 Plus en édition américaine, donc c'est une édition limitée. À l'heure où je sortirai cette vidéo, elle sera peut-être finie, sachant que je vais peut-être la sortir en mars, donc c'est même sûrement parce que normalement elle devait que se prolonger qu'en octobre il me semble. Et déjà que là on est pratiquement on est fin octobre, donc normalement je pense pas qu'elle devrait être encore disponible, mais vous pouvez quand même chercher des informations. Mais il est encore, même aujourd'hui c'est très compliqué de le trouver sur les marchés en ligne. Donc provenance États-Unis, mais création Hong Kong, c'est un Galaxy S8 Plus de couleur rose dont vous n'aurez peut-être pas l'habitude de voir en temps normal. Alors je vous propose de faire tout de suite l'unboxing. Alors là j'ai mon vieux téléphone à côté pour pouvoir faire le changement de carte. Ça va devenir mon téléphone personnel après. Je fais pas ça rien que pour la chaîne YouTube. Donc le colis est assez gros, on voit un peu le décor, mais après je zoomerai pour plus qu'on le voie. Ok, alors là on va essayer de... Alors, donc c'est envoyé dans Kong, c'est bien ce qui me semblait avoir vu déjà un point. Alors voilà, j'y suis arrivé. Alors on va ouvrir le paquet. Voilà, voilà. On va chercher le deuxième paquet. Et après on aura enfin le troisième paquet. Déjà il est bien. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh mon dieu. Regardez ça. Pardon. Je suis tellement excité d'avoir le truc, quoi. Et donc normalement, vu que c'est une édition américaine qui est donc à la base est prévue pour les Américains et pour les Anglais tout ça, parce qu'il n'est pas disponible qu'aux États-Unis, il est aussi disponible à Taïwan, celui-là, et ainsi que en Angleterre. Yes. Alors ça c'est l'adaptateur européen. Donc j'avais extrêmement peur de ne pas avoir d'adaptateur européen, mais visiblement dans le colis qu'on m'a expédié, la personne a été très aimable de me rajouter l'adaptateur européen. Voilà, voilà. Et en plus c'est à préciser que c'est un chargeur charge rapide, quoi. Il est bien bien emballé de papier bulle, hein. Oh, je vais pouvoir m'amuser en tout cas. Waouh. Regardez-moi ça. Mais il est magnifique. Enfin, c'est pas... Je peux pas dire qu'il est magnifique parce que je l'ai pas encore vu. Mais la boîte est splendide. Regardez-moi ce bleu, j'adore. Ah! Mais vraiment, vraiment le vrai, quoi. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. 6,2 pouces AMOLED, tout ça, c'est trop bien. Rose, pink, regardez. Rose, pink. Alors, ouverture tout de suite. Je sais que vous attendez ça. Alors, on va tout de suite l'ouvrir. Voilà. The parcel has been sealed by Gadget for You under surveillance. D'accord, donc c'est une sorte d'approbation de Gadget for You au cas où qu'il y ait une couillonnade à l'intérieur du produit Samsung. C'est juste un certificat de vérification qui a dû être collé par-dessus le certificat de Samsung. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci particulier à avoir. Oh là. Alors on va essayer d'ouvrir ça correctement parce que je viens de le voir. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors là on va le prendre d'ici. Très bien. Regardez-moi ça. Oh la vache. Regarde. Oh, il est tout froid. Ah mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'il est beau. USB type C. Il est beau, il est beau. On va le mettre de côté.
Je vais le mettre derrière moi. Je n'ai vraiment pas envie qu'il tombe, comme vous pouvez le comprendre. Alors, le petit clapet que l'on va ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est une coque de protection. Non, je rigole. C'est juste une... Ils ne le fournissent pas avec. Donc ça, c'est pour ouvrir, pour mettre les cartes, tout simplement. Et alors là, on a toutes sortes de choses. Alors déjà, ce premier nous ne servira pas dans l'instant T. Peut-être plus tard, si je pars aux États-Unis. Mais voilà. Voilà. Nous avons un chargeur Made in America, exprès pour les prises américaines, hein, comme vous pouvez le comprendre, américaines ainsi que d'Angleterre. C'est vraiment les prises que l'on retrouve là-bas. Donc c'est une prise pareil, fast charge, mais finalement, après, maintenant, on s'en fout un peu. On est en France, donc au pire, voilà, maintenant, pas très grande utilité. Alors voilà, donc ça c'est un adaptateur donc, de USB vers USB type C. Très bien, parfait. Ici, on a un USB type C vers micro USB, il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça, micro USB connector. Parfait. Donc là, j'étais en train d'ouvrir ça. Et donc là-dedans, on a le chargeur, donc USB vers USB type C. Alors moi, je trouve que ça, on ne le dit pas assez souvent, que c'est un USB type C pour le S8 Plus. Parce que moi, il m'a fallu pas mal d'informations de la part des youtubeurs et tout ça, pour pouvoir comprendre que c'était un USB type C. Et dedans, on a les écouteurs les écouteurs AKG, donc réputés pour la bonne qualité, quoi. C'est de la bonne qualité AKG. Voilà, c'est rose pink, non? Non, c'est une couleur un peu orchidée, j'ai envie de vous dire. Ils sont pas mal, j'aime bien, ils sont beaux. Après, c'est peut-être le film, vous voyez, il y a un film par-dessus. C'est peut-être le film qui fait cet effet-là. Mais en tout cas, c'est très très beau, magnifique. On apprécie beaucoup. Et dedans, il nous reste ceci. Alors ceci, je sais pas ce que c'est peut-être tout simplement une sucrète. Donc c'est quand on prend le café, tout simplement. Ils sont généreux chez Samsung parce qu'ils nous permettent de sucrer notre café. Non, je sais très bien ce que c'est tout simplement des... Vous voyez, ici, on a les écouteurs AKG. Et bien ça, on va pouvoir le changer pour l'adapter à notre oreille pour qu'on ait la meilleure immersion possible. Et dedans, c'est ce qu'on a en fait. Petite pochette que l'on va ouvrir. Voilà, donc c'est ici. On met la turlubinette, on va l'appeler, dans ce petit trou pour pouvoir retirer l'opercule et mettre enfin le cache là que vous voyez pour mettre la carte SIM. C'est que la carte SD. Parce que tout simplement, on ne peut pas ouvrir ça, vu qu'il est, il est résistant à l'eau, ce n'est pas possible de l'ouvrir, même pour retirer la batterie, ce n'est pas possible. C'est comme les iPhones, finalement. Oh, mais qu'est-ce que c'est bien marqué ? Je comprends tout ! Oh là 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 ! Bon, je vais pas me plaindre, parce que c'est moi qui l'ai voulu, d'avoir un téléphone américain, et en plus, créé à partir de Taïwan. Oh, mais c'est tout, carrément ! Samsung Pay, ok, mais ça c'est des petites pubs de chez Samsung et des petits conseils d'utilisation du S8 Plus, mais je suis quand même assez doué pour arriver à l'allumer et tout ce qui s'ensuit. Alors ça tout simplement, je vais l'enlever, je reviens, tout simplement on va pas s'occuper de ça pour le moment, on s'en fout un petit peu, on va plutôt s'occuper du téléphone en question où on va enlever là. Ah mon dieu, mais c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Regardez-moi ce rose, comme il est pétant, comme il est beau. Oh, j'adore. Cet effet miroir est tellement intense. Voilà, donc petit truc un peu dommage, quoi. Mais bon, en même temps, c'est une surface en verre, donc c'est un peu obligé. Voilà, ça reste pas longtemps. Faut vraiment peut-être le tenir dans les mains. Balayer assez longtemps pour enfin voilà avoir quelques traces de doigts, mais c'est léger. Alors est-ce qu'il a de la batterie? Tout simplement, on va essayer de l'allumer. Il en a! Oh oui, il a de la batterie.
Petite lettre de notification en haut. Alors moi, c'est pas la... je suis pas la personne qui va donner absolument tous les renseignements du téléphone. Genre style qu'il a un écran AMOLED en 6,2 pouces et full infinity. Oh, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ah ouais. D'accord, c'est Pixpi. Chut, Pixpi, on va le laisser tranquille, ok. Je vais me connecter au Wi-Fi de la maison. Alors, je fais toutes les modifications qu'il faut faire et je reviens vers vous tout de suite. Alors, je suis le Matisse du montage. Je viens de me rendre compte que il y a un peu plus de 10 minutes d'unboxing, ce qui en fait un peu long finalement pour un unboxing. Donc, je vais m'arrêter là. Vous aurez la présentation avec la configuration faite dans un prochain épisode. Donc, attendez-vous donc peut-être dans une semaine, mais aussi peut-être dans deux ou trois semaines, à une vidéo concernant du coup la présentation un peu plus grande du S8 Plus. Sinon, on se retrouve écoutez, la semaine prochaine pour un épisode de Minecraft. Ou alors tout au long de la semaine, il y a aussi des vidéos qui sortent, donc le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Soyez au rendez-vous, je vous laisse, c'était Madgen, bye bye.